Allez, on va suivre le départ, le dernier. Profitez-en. C'est parti. Et qui c'est qui fait le hold shot? Eh ben, je crois bien que c'est Joffre. Hein. Ou Nigon, peut-être. C'est Joffre ou Nigon, j'ai pas vu. Ah bah Vivien est déjà en tête. Bon, bah, ouais. Ouais, bah, ouais, il a pas fait le shot, mais fallait pas l'énerver. Fallait pas l'énerver, on vous l'avait dit. Mais là, il faut, voilà. Maintenant, il faut rester sur ses roues. Ouais, mais là, regarde, il a déjà chaud, pris là. Deux secondes. Là. C'est chaud de chez chaud. Oui, puis derrière, ça se bagarre. Jonathan, limite, Jonathan. Ah, ouais. Troisième avec l'électrique, le numéro 23. Allez, on l'encourage. Qui avait le record du tour tout à l'heure, Jonathan Mongarnier. Attention, Vivien Gonnet, là, ça, après deuxième, ça doit être Joël Nigon, Noël Duvert. Ouais, c'est ça. Jonathan Mongarnier, par contre, où est Romain Géoff? Mais je ne vois plus son casque. Aïe, non. Ah. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'est plus là, Romain. Alors attends, on va surveiller sur le... Ah non, oui, il est deuxième, pardon. Ah oui, il est là, vous ne voyez plus son casque, oui. On a Gonnet, Gioffre, Duvert, Mongarnier, Vanchamp, Grancy, Nigon, Roche, voilà. Moine, Malige, Martinez, Dubac, Dardaillon, Pidou, Véronèse, voilà, et Mongarnier, voilà. Ils sont vraiment bien, ces pilotes, c'est le général. Oui. Gonnet, Gioffre, Duvert. C'est sympa, quand même. C'est sympa. Allez, on va suivre la bagarre avec l'électrique. Oh là, attention, ça klaxonne derrière Jonathan, là-bas à l'intérieur. Et ils arrivent à 3, là-bas de front. Ils se ratent. Et Franck Brancy qui joue le podium aussi aujourd'hui. Hein. Exactement. Sixième, ça va être un peu chaud, là. Et il y a un peloton au milieu, là. Ils sont à 3 ou 4 de front par moment au freinage. C'est très chaud, là, à l'intérieur du circuit. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même, pratiquement, oui. À pouvoir se battre dans le centre de ce peloton et devant. Là, c'est le podium qui joue, mais je crois qu'on l'a, le podium, en fait, là. Vivien Gonnet a fait le trou. 1 seconde 3 d'avance sur Romain Géoff, 3 secondes sur Noël Duvert. C'est Wanchang qui est passé 4e. Ouais, je vois, Wanchang. Ouais, devant super Brancy. Course. Roche qui remontait 6e. Ouais. Nigon 7, Martinez 8, Moine 9. Ouais. Bah, dis donc, par contre, Jonathan Mongarnier toujours 6e et record du tour, hein. 44-0 pour Vivien Gonnet. Ah, Vivien, ouais. Ça y est, c'est parti. Allez, on va suivre Vivien Gonnet, donc Romain Gioffre qui est pas loin derrière. Ah non, il est tout près même. Troisième, hein. Noël Duvert. Bah là, on a le classement général du trophée, du trophée 2024. Exactement. On vous rappelle que ce soir, le podium que vous aurez au niveau de l'après-grille, c'est le podium de la course d'aujourd'hui. La course d'aujourd'hui. Et normalement, c'est Romain Gioffre qui devrait l'emporter, puisque tout à l'heure, Vivien Gonnet n'a terminé qu'à la 6e place. Ouais, donc super, il a perdu des points. Ouais. Super Johan Wangchang avec grosse bagarre avec Brancy. Ah, il est 4. Il roule. Ah ouais, Johan Wangchang, là, c'est le magnifique. Là, il fait la course. Hein. Quatrième au contact avec Franck Brancy. Brancy, ouais. Il y a 3 dixièmes d'écart entre les deux. Martinez qui est là, Hugo Roche, il fait une belle course. Hugo Roche aussi. Johan Nigon, Pierre Moine. Johan Nigon, c'est le podium qui part. Ouais. Moine 10, Nigon 9. Et Jonathan, ça klaxonne derrière. Ouais. Là-bas, à l'intérieur, dans la grande courbe au fond. Ah, mais tu vois, Nigon qui n'est pas bien remis de son opération quand même, parce qu'il était parti sur la première ligne, il se retrouve 9e en ce moment. Oui, puis il s'est fait mal au genou à Isola. Ah, ouais, donc ça doit tirer du côté de l'épaule. Et pour l'instant, monsieur AMV Cup des dernières années se balade en tête avec maintenant une avance de 1 seconde et demie sur Romain Gioffre. Ah, il fallait le prendre tant qu'il fallait tout à l'heure, bien connu. Hein. Duvert à 6 secondes et demie. Ouais. Après Brancy qui repassait devant Vanchamp. Oh, la bagarre Brancy-Vanchamp-Martinez là. Roche qui est dans le coup lui aussi. Ils sont ensemble pratiquement, les moteurs, pour aller chercher cette super finale. Et pour l'instant, celui qui tire son épingle du jeu et qui domine la concurrence de la tête et des épaules, eh bien, c'est celui qui a remporté cette MV Cup cette année, comme il l'avait remporté l'année dernière et l'année d'avant. C'est Vivien Gonnet. Ouais. Allez, il va passer pour le dernier tour. Le pilote de Serge Chevalier. Allez Vivien, allez Romain. Le voilà. Allez, dernier tour pour Romain. Okay. Également Romain Gioffre qui est un petit peu... Ah, il a plus de 2 secondes maintenant. Il y a une bagarre pour la 4e place là entre Brancy, Wangchang et Martinez. Regarde, allez. Et regarde là-bas. Martinez au freinage, attention. Oh, pour la 7e place aussi, il y a du monde là-bas. Ouais, c'est chaud, hein. 8, 9, 10, ils sont ensemble là. Ah, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont à c'est se chaud. Bagarrer. Ouais. Et tout à l'heure, nous allons accueillir comme il se doit le vainqueur de cette super finale, mais qui normalement sur le podium devrait être deuxième. Oui. Et si nos calculs sont bons, mais on va l'accueillir comme un grand vainqueur qu'il est, puisque c'est lui qui remporte un MV Cup. Je parie qu'il va se dresser sur la roue arrière du Luxembourg. Allez, on peut l'applaudir, Vivien. Et voilà, Vivien Gonnet sur la roue arrière, et voilà. Génial, Romain Gioffre. Deuxième, Noël Duvert, Franck Brancy et Martinez, hein, qui est passé quatrième. Je peux dire que ça va être serré, le classement général. Ouais, ça va être très serré, même. Duvert qui en termine à l'instant, suivi de Franck Brancy, Martinez dans la même seconde, Vanchamp dans la même seconde, Hugo Roche juste derrière. Ouais.
Nigon qui est là aussi, Pierre Moine qui est remonté à la 9e place, ensuite on retrouve Pidou, Dubac, Dardaillon, Montgarny, le petit jeune, Kevin Malige,